Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints dès 9h, quasiment 22 pour ce 30e colloque NPA Le Figaro. Je suis Marjorie Paillon et je suis ravie d'être aux côtés de Philippe Bailly pour ce 15e anniversaire. 15e anniversaire déjà, pendant lequel on ne va pas se contenter de regarder dans le rétroviseur, mais on va plutôt chercher à se projeter, d'où les 30 glorieuses 2004-2034. Mais quand même, dans un instant, on accueillera Bruno Patineau et Arnaud Mercier qui précisément vont nous aider à se projeter. Juste auparavant, on vous offre une petite rétro, Le Figaro d'il y a 15 ans, et vous allez voir que pour ceux qui ont vu le film Le Jour sans fin, que ça fait écho. Merci. Vous voyez, une bonne nouvelle en conclusion, la fin du monde est reportée à une date ultérieure. La preuve, on est toujours là. C'était il y a 15 ans. 15 ans déjà, je pense que la brève sur la CGT qui critique le budget de l'audiovisuel public, on aurait juste pu changer l'année sans changer le texte. L'accord sur la chronologie des médias, ça donne davantage à réfléchir sur le côté circulaire de ce monde, et parce que avec Le Figaro, on s'efforce depuis 15 ans de nourrir, d'alimenter le débat. Eux-mêmes, et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu le journal ce matin, il va arriver, mais avec un petit peu de retard, je vous livre l'interview du jour, parce qu'à mon avis, on va en reparler au cours de la journée. Quatre mousquetaires qu'on recevra en fin d'après-midi. On reviendra évidemment sur cette saillie contre la future loi audiovisuelle. On demandera à Delphine Arnaud ce qu'elle en pense d'ailleurs à cet égard. Mais d'abord, ce matin, on va essayer de définir ce futur. 2034, ça va ressembler à quoi ? On sera quel type de consommateur de contenu ? On sera quel type de consommateur d'infos ? Et puis surtout, on sera quel type de créateur ? Voilà, et pour ça, et pour regarder le créateur, les producteurs, les chaînes, tout le monde s'adresse à un consommateur, auditeur, téléspectateur, internaute, on ne sait plus très bien. Et je propose à Bruno Patineau et Arnaud Mercier de nous rejoindre pour nous éclairer ou en tout cas partager avec nous leurs interrogations. On leur demande pas forcément et seulement d'avoir des certitudes. Peut-être en montant un tout petit peu le son. Peut-être en ouverture, je voudrais citer quelques phrases que Bruno Patineau devrait approuver, à mon avis. Le poisson rouge tourne dans son bocal, il semble redécouvrir le monde à chaque tour. Les ingénieurs de Google ont réussi à calculer la durée maximale de son attention, 8 secondes, et ces mêmes ingénieurs ont évalué la durée d'attention de la génération des millennials, celle qui a grandi avec les écrans connectés. C'est 9 secondes. Le monde de la rapidité, et ça c'est extrait bien sûr de La civilisation du poisson rouge, l'ouvrage à grand succès de Bruno Patineau. L'immédiateté, la rapidité, c'est une des variables, mais au-delà, en quoi est-ce qu'on va changer ou on va vivre plus vieux, on va se marier plus tard, on va rentrer dans l'univers professionnel plus tard. Enfin, qu'est-ce qui est structurant dans la vision de l'homme de demain ? Moi, je ne peux pas aborder tout ça. Dire peut-être que si on essaye, et encore une fois, moi, je ne suis pas devin, et je pense que personne d'entre nous ne l'est. Donc, ce qu'on peut avoir, c'est quelques interrogations autour de
autour de signaux plus ou moins faibles, qui le sont de moins en moins d'ailleurs, qu'on voit. Et si on essaye, puisqu'on on est quand même au colloque NPA ici, on va dire les forces qui me semblent moins importantes d'un point de vue sociologique, économique et éditorial, on va dire ça comme ça, pour essayer de pas trop prendre de temps. Sociologiquement, Philippe, tu l'as dit, moi je pense qu'il y a aujourd'hui deux grands questionnements par rapport à l'expérience numérique, média, parce que l'homo numericus, enfin, l'homme, nous sommes tous connectés, donc c'est l'homme connecté, on va dire, la femme connectée. Je pense que les deux grandes questions sociologiques, en tout cas qui moi m'interpellent fortement, c'est le rapport à l'accélération d'une part, hein, et d'autre part notre rapport au choix. Donc très rapidement, l'accélération qui est générale depuis le début du XXe siècle, on ne va pas revenir sur la thèse d'Arthmontrosa, qui fait que le numérique a mis, on va dire, un coup d'accélérateur à l'accélération. Et en réalité, le modèle économique d'un très grand nombre de plateformes fondées sur le temps d'attention fait qu'effectivement, il y a une extraction de plus en plus forte de notre taux d'attention. Un exemple et un chiffre. L'exemple, vous avez vu qu'il y a 3 semaines, Netflix a annoncé la possibilité de visionner maintenant les séries en accéléré. Ce qui est quand même, me semble-t-il, le paradoxe même et le paradoxe total, c'est-à-dire Netflix veut vous faire rester le plus longtemps possible, veut nous faire rester le plus longtemps possible sur ses séries, avec le phénomène de complétude, mais en même temps, il sait bien que d'ores et déjà, le temps est tellement compté que même dans cette exploitation du temps, il faut pouvoir aller encore plus vite dans cette exploitation de séries. Et le chiffre, c'est un chiffre que j'utilise souvent qui est utilisé dans mon livre d'ailleurs, c'est que quand on met bout à bout aujourd'hui toutes nos activités, nos journées font 31, 32 ou 33 ou 34 heures, c'est-à-dire que petit à petit le multitasking a fait en sorte que l'exploitation du temps a augmenté le temps qu'on exploite chez nous. Dans ce rapport au temps, moi j'ai une conviction absolue, c'est que le deal de départ est devenu déséquilibré, c'est-à-dire que globalement, beaucoup de services numériques nous faisait gagner du temps et en échange de ce temps gagné, en prenait une partie pour se rémunérer, notamment vis-à-vis de la publicité. Je pense qu'aujourd'hui, le rapport est déséquilibré, c'est-à-dire qu'on nous prend plus de temps qu'on nous en fait gagner. Et donc, globalement, pour pas être trop long, je pense que dans ce rapport d'accélération aujourd'hui, on peut imaginer deux scénarios. Ça va un cran plus loin et les mécanismes d'hameçonnage et de captation du temps sont à la fois de plus en plus durs dans un univers de plus en plus concurrentiel, où ce que j'aurais tendance à privilégier, on peut penser qu'à un moment donné, il y a une certaine fatigue de l'utilisateur et on est dans un mécanisme de ralentissement. Juste pour ne pas être trop long, puisque je ne ferai pas les 3 chapitres édito éco, sinon on en a pour une demi-heure, je pense que l'arrivée des finishers, comme on appelle maintenant les finisher content, c'est-à-dire les contenus numériques dont on peut faire le tour, les contenus qu'on peut terminer, est un symptôme de ce souci de décélération. La deuxième chose dont je veux parler, peut-être en introduction, c'est ce que j'appelle la fatigue décisionnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, si je prends encore Netflix, on passe 17 minutes à choisir la série qu'on va regarder sur Netflix. Je pense que dans la surproduction aujourd'hui de contenu à laquelle nous participons tous, décider est devenu de plus en plus fatigant. Un, les mécanismes algorithmiques qui sont présents trahissent, à mon avis, ou traversent une certaine crise de confiance. On s'aperçoit que le consentement aux algorithmes n'est pas forcément la confiance dans les algorithmes. Donc là, il y a une dissociation entre le consentement et la confiance. Et la deuxième chose, c'est que quand cette confiance n'est pas purement, cette recommandation n'est pas purement algorithmique, quand elle est sociale ou qu'elle est humaine, c'est pareil, on est face à une difficulté de plus en plus forte. Et donc pour moi, l'homo numericus dans 5 ans ou dans 10 ans, enfin l'homme ou la femme dans 5 ans ou 10 ans, j'ai tendance à penser qu'on devra résoudre ce problème général de la fatigue. De la fatigue face, j'allais dire, au temps qui nous est de plus en plus
extrait et la fatigue face aux décisions de plus en plus grandes qu'on a à faire dans ce domaine-là. Et donc j'ai tendance à penser que ces deux forces-là vont structurer le champ qui est le nôtre aujourd'hui. Juste pour terminer, tout le monde, on commence à parler aujourd'hui de surproduction en termes de séries télévisées. Je pense que c'est un vrai thème qui d'ailleurs traduit justement ces deux facteurs que je vous disais. Un chiffre que j'aime bien citer, qui était cité dans le Financial Times l'autre jour, c'est que les heures de séries télévisées en 8 ans ont progressé de 129% aux États-Unis, alors que la population n'a progressé que de 6%. Donc on voit que notre exposition commence à être trop forte. Donc moi, les facteurs structurants, terminé, notre rapport au temps d'une part et à l'accélération, je pense qu'on va vers une décélération, et notre rapport au choix, on a trop de choses parmi lesquelles choisir, et donc d'une certaine façon, une demande, je ne sais pas si elle sera traduite par l'industrie, d'une décélération aussi dans la production. Peut-être pour rebondir juste d'un mot sur le chiffre que tu citais de la production. L'an dernier, il s'est produit plus de 500 séries aux États-Unis. Si vous comptez des épisodes de 40 minutes et des séries d'à peu près 12 ou 13 épisodes, il faut 6 mois pour avoir visionné seulement, donc 6 mois, 24 heures sur 24, pour avoir visionné ne serait-ce que la production américaine. Et on reviendra notamment aux stratégies d'attention de Nireyal à Tristan Arès, qui décrivent aussi très très bien ce phénomène. Mais d'abord, Arnaud Mercier, est-ce que cet Homo Numericus de 2034, c'est forcément un homme accéléré ? Eh bien, je ne le pense pas, parce que je pense qu'effectivement, la tendance lourde de nos sociétés est d'avancer avec des mouvements un peu pendulaires, au sens où quand on va à l'excès quelque part dans une certaine direction, il y a des retours de balancier. Et moi, ce qui me frappe beaucoup par rapport aux tendances qu'on peut imaginer, c'est quand même aussi, alors c'est deux questions notamment, celle donc que j'engloberais sous forme d'infobésité, pas seulement l'information, mais l'idée qu'il y a un stock accessible à qui peut provoquer par exemple des réactions carrément de retrait. Parce que finalement, une des façons psychologiquement de gérer l'excès, c'est précisément de se dire, puisque je n'arrive plus à avoir des critères de choix, alors j'essaye de me mettre en abstraction, d'avoir à faire un choix. Et donc, de ce point de vue, j'ai une vision assez optimiste de l'avenir du livre. Parce que je pense que précisément, face à ce qui peut apparaître comme les excès de l'audiovisuel, l'idée d'arriver à finalement, pour certains, retrouver une forme de relation beaucoup moins, j'allais dire, invasive, beaucoup plus choisie et beaucoup plus axée dans le temps, me fait dire que le temps de la lecture n'est sans doute pas quelque chose qui est destiné à faire partie du cimetière des pratiques culturelles, bien au contraire. Alors après, quel type de livre, comment on peut encore en discuter, bien sûr, mais les gros livres, moins que, sans doute que... Bon, hein. Mais en tout cas, je pense que on peut anticiper sur le fait que certains, face à la surcharge, décident de refuser finalement d'entrer dans ce monde des choix qu'on leur propose. Et puis, moi, ce qui me paraît un des phénomènes frappants, alors je dis ça, j'ai les mêmes préventions que Bruno Patino, j'espère, je n'ai aucune vocation à rentrer dans le cimetière des futurologues qui se sont trompés, donc soyons très clairs, c'est avec beaucoup de modestie et avec aidé par toute votre indulgence que je prends la parole et que j'ai même accepté cette invitation, j'aurais peut-être pas dû, enfin bon, bref. Je crois que moi, ce qui me paraît un des phénomènes frappants, c'est tout ce qu'on peut prévoir comme accroissement, qui est déjà là, mais accroissement de l'accès à des contenus personnalisés. Avec des algorithmes, mais pas seulement des algorithmes qui viendraient faire une recommandation, mais aussi tout ce qui est bots, chatbots, hein, etc. C'est-à-dire entrer en dialogue homme-machine, vraiment, au sens
faire des échanges par la voix, ce qui est un nouvel accès au monde de la connaissance, à la fois dans une interrogation très intuitive. Je parle à la machine et je lui demande explicitement, on le voit bien déjà avec les assistants personnels, vocaux, etc., qui ont vocation sans doute, dans des formes peut-être un peu différentes de celles qu'elles ont aujourd'hui, à pouvoir se généraliser, et bien sûr à recevoir cette information sous forme de langage, puisqu'il y a énormément de progrès qui sont faits sur la reconnaissance automatique des langues. Et donc tout ça peut favoriser de façon extrêmement profonde un accès plus individualisé à des contenus. Et je n'ai pas dit forcément mieux adapté, parce que après, on peut justement, c'est tout le problème de la crise de confiance vis-à-vis des algorithmes. Est-ce que c'est vraiment adapté à ce qu'on veut, ou est-ce que c'est adapté à ceux qui marchandisent cet accès justement à certains contenus plutôt qu'à d'autres. Mais bon, et donc, si vous voulez, c'est une tendance très très longue dont parlait déjà Dominique Volton dans son livre Éloge du grand public, quand il faisait la distinction entre les chaînes généralistes et les chaînes spécialisées, les chaînes thématiques, etc. C'est-à-dire que je pense que on va vers toujours plus d'individualisation de l'accès au contenu, et donc un effritement toujours plus grand de l'idée ou de l'idéal d'espace public au sens d'espace de connaissance et d'information partagée, et qui sont donc évidemment constitutifs d'une culture commune. Alors on a déjà ce problème avec les requêtes Google à partir du moment où, mais si, je te jure, ben non, moi, regarde, je fais ma requête, c'est pas la même chose que chez toi, etc. Donc ça crée évidemment des potentielles incompréhensions, désaccords entre des gens qui pensent avoir accès à la même chose et qui en fait réalisent que ce n'est pas forcément les mêmes contenus auxquels ils ont, enfin pas spontanément, mais ils ont accès. Et ça, je pense que c'est un vrai défi. Et c'est un vrai défi, j'allais dire, à la fois politique, mais aussi éthique du point de vue des entreprises, de savoir ce qu'elles font. Et jusqu'où on peut aller, entre guillemets, trop loin dans l'encouragement à perdre de vue l'idée qu'on a accès à des contenus individualisés et donc qu'on n'a plus ce partage en commun. Et je relie ça évidemment à l'idée que nous sommes dans une société individualiste de masse, et il n'y a pas contradiction dans les termes, hein. Effectivement, on valorise l'individu, on valorise notre réussite personnelle, notre épanouissement, etc., sous toutes ses formes. Mais comme c'est la tendance générale, effectivement, ça produit une société individualiste de masse. De ce point de vue, moi, je dis toujours que je suis quelqu'un qui est très, très réservé vis-à-vis de tout ce qui s'apparente à un raisonnement de type déterminisme technologique, hein, évidemment. Je pense au contraire que si une technologie s'impose, c'est parce que elle répond à des aspirations, elle répond à des attentes. Et le grand succès de l'Internet, et notamment des réseaux sociaux numériques, me paraît être justement explicable par cela, par le fait que c'est la technologie qui répond le mieux à cette articulation à repenser entre l'individu et la masse. Nous sommes à la fois dans quelque chose qui peut être extrêmement narcissique, nos photos sur Instagram, enfin, etc., et en même temps ce besoin de se lier aux autres, de le montrer aux autres, de partager des choses avec les autres. Est-ce que je peux vous faire rebondir l'un et l'autre? Parce que il m'a semblé relever peut-être un élément paradoxal dans chacun de ce que vous avez dit. De votre côté, Arnaud, c'est le côté accès croissant à des contenus personnalisés. Enfin, paradoxal, j'en sais rien, mais en tout cas, avec son pendant, algorithme, enfermement, qu'on parle en termes culturels, politiques, etc. Comment est-ce qu'on évite? Comment est-ce qu'on prévient ce risque? Et Bruno, ce que tu disais, c'est à la fois on est face à des entreprises qui nous prennent de plus en plus de temps, mais en même temps, tu l'as souligné, le multitasking fait que nos journées durent 32 heures. Donc finalement, est-ce qu'elles nous prennent du temps ou est-ce qu'elles nous permettent de rendre le temps élastique? Si je commence, les deux, c'est-à-dire qu'en gros, d'abord, je suis assez d'accord avec, pratiquement d'accord avec tout ce qu'a dit Arnaud Mercier. Il n'y a pas de déterminisme technologique. Ça, alors là, je l'ai écrit 10 fois. Donc, on est toujours face à des forces qui sont un peu contradictoires.
Je suis d'accord avec cette idée d'individualisation du parcours du contenu, mais on voit très bien qu'il y a un effet de balancier entre la fragmentation qui semble irréversible en ce moment de tout l'espace public et de nos goûts, et puis la nécessité aussi ou le besoin de retrouver de la synchronicité sociale par d'autres mécanismes. Et donc tous les acteurs, et je vais évidemment répondre à ta question par rapport au temps, tous les acteurs de nous médias, en gros, on est confronté à un choix par rapport à savoir où on se place dans ce curseur-là. C'est-à-dire où notre responsabilité, me semble-t-il, c'est de savoir où on se place dans le curseur fragmentation-rassemblement, sachant qu'il ne faut pas choisir son camp. Et bien sûr qu'il faut proposer des chemins, individualisés, mais ne pas non plus en rajouter sur la fragmentation, me semble-t-il, quand on a une responsabilité publique. Sur le temps, bien sûr que chacun d'entre nous, aujourd'hui, ce dont je parle, ça n'est pas de dire le modèle publicitaire est à foutre en l'air, c'est épouvantable, le temps d'attention, l'économie de l'attention, c'est un terme qui, à mon avis, apparaît pour la première fois en 69, mais parle aux États-Unis, mais parle évidemment de l'arrivée du broadcast dans les années 20, dans les années 30. Après, tous les groupes privés se financent grâce à la publicité, et donc sur le temps d'attention, d'autres ont dit le temps de cerveau disponible. C'est jusqu'à quel point il y a un emballement de ce mécanisme qui fait qu'à un moment donné, il nous semble que le deal est déséquilibré. Je pense aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'Arnaud Mercier le pensait aussi, qu'on est dans un moment paroxystique, on va dire, d'hameçonnage du temps. Juste une anecdote, souvent je la raconte, quand il y a 20 ans, j'ai commencé à faire du numérique il y a 21 ans, donc ça ne me fait pas de moi un jeune. Et je me souviens très bien, quand j'étais au Monde.fr, quand l'arrivée de la technologie des alertes nous a été présentée. Et je me souviens très très bien de la personne qui nous disait « Attention, pas plus d'une alerte par semaine. » Parce qu'au-delà d'une alerte par semaine, vous allez être largué par vos utilisateurs qui diront que vous êtes trop intrusif dans leur vie. Et donc, à l'époque, on s'est dit, bon, bah, les alertes, c'est uniquement en cas de 11 septembre, en cas d'attentat à Madrid. Je me souviens que la première qu'on avait poussée, c'était l'attentat à Madrid. Et on avait poussé une alerte pour l'attentat à Madrid. Il y a 3 jours, j'ai reçu une alerte du Point me disant que c'était l'anniversaire de l'opération de Louis XIV sur son anus. Je ne plaisante pas, ceux qui d'entre vous reçoivent les alertes du Point ont reçu cette alerte-là. Donc, à un moment. Et vous savez quoi, ça a marché. J'ai cliqué, je me suis dit, ah bon, c'est fait opérer, j'en savais rien. Et donc, alors que j'étais en réunion éditoriale chez Arte, évidemment, je n'ai pas su résister et j'ai regardé qu'est-ce que c'était que cette opération de... Bon, bref. Et tu as proposé de mettre l'antenne en édition spéciale. Pas tout de suite, mais franchement, non, parce que ça marche, ces trucs-là. Évidemment que ça marche. Donc, c'est pour ça aussi, c'est-à-dire qu'on marche. Enfin, en tout cas, l'hameçonnage, sur moi, ça marche. D'ailleurs, ce bouquin, je l'ai écrit parce que ça marche, ça sur moi. Je veux dire, ce bouquin, comme je l'ai dit 1000 fois, pour écrire ce livre, il fallait être docteur ou malade, et je ne suis pas docteur. Donc, bon. Donc, très clairement, ça marche. Ce que je veux dire, c'est que dans notre choix, il est comme ça. Et pareil, donc, sur le côté intrusif, à un moment donné, jusqu'à quel point on essaye d'hameçonner. Et je vais le dire clairement là, en étant moins sûr. Évidemment qu'on a participé tous, médias, à un moment donné, au fait de rajouter du charbon dans la locomotive en permanence. Et moi, le premier. Les alertes, on produit, on surproduit. Il me semble aujourd'hui, mais je peux me tromper, parce qu'encore une fois, je ne suis vraiment pas devin, et si ça se trouve, tu pourras montrer la vidéo dans 3 ans, et j'aurai l'air grotesque, et peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble aujourd'hui qu'il y a une demande latente de ralentissement. Il y a une demande latente de baisser le moment du multitasking. Je crois ça. Mais j'ai rien pour le prouver, si ce n'est, bon. Enfin, le mouvement slow, ça le reste quand slow, même quelque oui. chose oui, mais de non, marginal. Mais, ça fait 10 ans qu'on en parle et c'est toujours quelque chose de non, très marginal. Non, je pense qu'il y a, encore une fois, je me souviens quand on avait lancé la Slow TV sur France 4 avec une émission qui durait 9 heures. Sur le Japon, ouais. Et on s'était fait. Le CSA nous avait convoqué à l'époque pour nous dire qu'est-ce que c'était que cette télévision-là. Mais je suis sûr. Encore une fois, qu'il y a une responsabilité des médias dans 3 domaines. La responsabilité, c'est, comme l'a dit Arnaud Mercier, gérer le rapport entre fragmentation et rassemblement. Le deuxième chose, c'est gérer le rapport au temps de nos utilisateurs. Et là-dessus, évidemment, le business model ne va pas dans cette direction-là. Mais quand on pivote dans les business models d'abonnement, on voit bien que ça répond aussi peut-être au fait d'hameçonner un peu moins les gens.
Le troisième point, c'est dans tous ces critères de choix algorithmiques, parce que ce que les Américains appellent l'algorithmic accountability. Ça, j'en suis absolument persuadé. C'est-à-dire non pas la transparence algorithmique, ça veut rien dire, mais la responsabilité algorithmique. C'est-à-dire le deal qu'on passe à un moment donné avec l'utilisateur en disant notre algorithme, il fait ça, il a cet effet-là. Donc on voit bien aujourd'hui, la plupart des algorithmes des grandes plateformes sont faits évidemment pour hameçonner le plus possible notre temps et nous faire passer le plus de temps possible sur elles. Je ne suis pas sûr qu'il faille continuer à aller dans cette direction-là. Donc si tu veux, ce n'est pas paradoxal du tout. On est tous ambivalents, on a tous envie d'être connectés en permanence, moi le premier, mais en même temps, je suis persuadé que la valeur de ce qu'on donne aujourd'hui, elle est complètement corrélée au temps, à la respiration, au temps, à l'allègement de toutes les fatigues que je vois arriver, y compris par rapport à nous-mêmes. Et il me semble, juste pour terminer, mais j'en parle souvent, on parle tous de Joker, par exemple, on dit c'est super, mais c'est pas vraiment un blockbuster, et pourtant, il fait un carton comme un blockbuster. La grande différence entre Joker et les Avengers, c'est la longueur des plans. C'est-à-dire que l'air de rien, dans les Avengers, on a des plans qui sont stroboscopiques, donc qui sont sur l'impression et donc qui ressemblent énormément à la sursollicitation numérique telle qu'on est aujourd'hui. Dans Joker, les plans sont 8 à 12 fois plus longs que dans Avengers. Et les gens s'y retrouvent aussi, c'est-à-dire cette espèce de respiration, y compris dans les récits tels qu'on les donne. Donc il y a un retour du long forme, un retour des plans, et très modestement, dans le métier qui est le mien, je demande toujours de ralentir les plans et de baisser le son aujourd'hui parce que je pense qu'il y a cette demande latente. Arnaud, merci rapidement sur cette question. Et ensuite, on a une toute petite dizaine de minutes pour finir cette première discussion. Je voudrais vous entendre sur ce pendule de Foucault des contenus. Mais d'abord, Arnaud. Oui, sur les preuves de ce désir de ralentissement, pour moi, il y a des chiffres et des pratiques sociales qui le disent. Regardez le croyable succès du chiffre d'affaires de tout ce qui est jardinage. Je veux dire... comme disait un proverbe, qui croit en l'avenir plante un arbre. Hein. Et l'idée que ce n'est pas pour tout de suite, on le sait. Et la marche en forêt, les clubs de marche, etc. C'est-à-dire que cette idée d'essayer de respirer, de retrouver... D'ailleurs, c'est ce que Hartmut Rosa théorise ensuite, après l'accélération, en parlant de la reconnexion, etc. Donc il y a manifestement des pratiques sociales qui nous disent cela, indépendamment de ce que peut devenir un slogan comme le slow, parce qu'effectivement, les slow city, la slow science, enfin, etc., c'est parfois plus du slogan que de... Ensuite, moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de contradiction... de façon générale, parce que, je le disais, il y a des phénomènes de balancier. Mais les phénomènes de balancier, c'est jamais la société, la totalité de la société était sur un point A, et puis après, elle passe sur un point B intégralement. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des segments de la société qui, en réaction, ont tendance à... Et on le voit bien, c'est-à-dire que face à cette idée de risque de déconnexion sociale, d'individualisation qui devient de l'individualisme, vous avez les aspirations à l'économie sociale et solidaire, le rétablissement de principes de solidarité de proximité, les AMAP, enfin, etc. Les gilets jaunes vous disent que finalement un des principaux acquis par rapport à tout ce qu'ils espéraient avoir et qu'ils n'ont pas eu, c'est quand même le fait d'avoir fait de la reconnexion sur les ronds-points. On a vu certains qui y sont restés et qui disent ouais, c'était comme une famille, enfin, etc. Bon, donc il y a bien des réactions qui vont dans ce sens. Hein, et il n'y a pas de contradiction entre le fait que on va vers de l'individualisation et de la personnalisation et en même temps qu'on voit apparaître des phénomènes de refonder du lien social et de refonder un esprit plus communautaire, hein, il me semble. Par ailleurs, moi, ce qui me paraît, de ce point de vue, intéressant à rappeler, c'est le fait qu'on a prophétisé, il y a plus de 20 ans maintenant, la fin de la télévision et qu'elle est toujours là. Elle est toujours là parce que, précisément, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un mode d'accès assez facile à des contenus, que, précisément, même si elle est moins de masse qu'elle a pu l'être, ça reste celui qui est le plus producteur d'une audience de masse et que, à cet égard, je ne vois pas de raison d'imaginer que la télévision disparaisse comme cet élément, même si les modes de consommation de la télévision, même si on ne regarde pas tout en même temps, même si c'est dématérialisé, si c'est ceci, si c'est cela, enfin tout ce qu'on veut,
Il n'empêche que c'est à la demande que tout ce qu'on veut, mais ça reste quand même le lieu support où il y a un minimum de gens, un maximum quand même, si je me suis fait bien comprendre, qui restent et qui appartiennent à une audience, quoi, qui constituent une audience. Donc je pense qu'il faut ne pas vouloir essayer de repérer des tendances qui seraient des tendances totalement radicales et qui nous ferait céder à une tentation qu'on a bien vue, qui est toute nouvelle technologie séparerait forcément l'ancienne. Donc finalement, si je vous entends bien, les plateformes n'ont pas été pour l'instant la comète qui a provoqué la disparition du dinosaure télévision, mais surtout, si on reprend encore une fois le mouvement de balancier que vous décrivez très bien tous les deux, que je synthétise en pendule de Foucault des contenus, est-ce que ça veut dire que nous, citoyens, consommateurs de contenu, on est entrés résolument en résistance face à cette ère de l'hyper-choix et qu'on va se transformer en Che Guevara de ce que nous propose justement ces multiples points d'accès et d'engagement au contenu? D'abord, vous êtes très... pour des raisons d'origine géographique. J'ai bien peur de venir du pays qui a tué Che Guevara. Donc, bref. Non, vous êtes trop radical de mon point de vue. La première chose, c'est que juste en 5 secondes, les plateformes, la télé, etc., je pense qu'il y a deux phénomènes qui sont vraiment... j'essaie toujours de les distinguer. C'est-à-dire qu'il y a une très forte résilience dans les usages, mais il y a une très forte tension sur les business models. Et donc vraiment, je partage l'avis d'Arnaud Mercier sur la résilience de l'usage télévisuel, ça c'est vrai, avec ce besoin. Néanmoins, je pense que l'énorme bouleversement du secteur télévisuel qui est devant nous, pas derrière nous ou pas en ce moment, mais devant nous, vient... non pas du fait d'un bouleversement total et absolu des usages, mais d'une modification réelle des usages qui provoque une tension extrêmement forte sur les business models. Juste une chose, moi je l'ai vécu dans une vie antérieure en presse, il y a une résilience forte du média imprimé, de la lecture sur imprimé, qui n'a pas empêché le business model de l'imprimé pur de s'effondrer totalement. Et ça se démontre très très bien, si, de s'effondrer, enfin je veux dire, quand tu regardes, ça ne veut pas dire que tout le monde est mort. Non, mais quand tu regardes les pourcentages, si tu veux, de baisse de chiffre d'affaires ou autre sur l'imprimé pur, ce qui ne veut pas dire que les marques ne peuvent pas survivre. Le Monde va annoncer, je pense, dans quelques jours, ses 200 000 abonnés numériques. Donc on voit bien que des choses arrivent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que devant nous, si on parle aussi, on est à NPA ici, donc la très forte tension sur les business models télévisuels est devant nous. Parce que justement, on ne regarde pas la télé de la même façon, etc. Et qu'entre le téléviseur, le programme de télé et la chaîne de télévision linéaire, on parle de trois choses différentes, même si pour l'usager, c'est la même chose. Et bon. Mais juste sur le dernier point, sur le pendule de Foucault ou sur la révolution, non, je pense qu'il y a une demande aujourd'hui. En réalité, on est dans un mécanisme assez classique. Moi je suis absolument persuadé qu'on est aujourd'hui dans la délégation paroxystique que l'on fait face aux outils, face aux plateformes ou autres. Et donc, ça commence par Facebook, ça viendra par Google, ça finira par Netflix. On demande aujourd'hui, on va dire, une certaine, j'aime pas le mot de transparence, mais en tout cas, une certaine compréhension de la gouvernance interne de ces mécanismes-là, comme ça a existé pour l'ensemble des médias classiques. Donc je crois pas du tout que les gens vont être en révolution par rapport à ça. Il va y avoir là aussi des bouleversements extrêmement forts, parce que je pense qu'on est aussi... je pense qu'il va y avoir un crash de surproduction, des mécanismes de concentration. On sait pas si on va avoir... moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'offres qui vont cohabiter. Je ne crois pas du tout au fait de dire qu'il y aura deux monstres et puis c'est tout. Mais je pense que la demande sociale aussi qui existe, c'est de savoir à peu près comment se comportent et comment sont gouvernés les gens à qui, aujourd'hui, on a donné un consentement afin qu'on puisse leur faire confiance. Oui, pour compléter, je dis toujours que le monde de l'Internet, des GAFAM, etc., c'est un monde qui s'est développé dans un Far West, en réalité.
Far West, parce qu'on ne savait pas, parce qu'il y avait des territoires à explorer, parce qu'en plus, ils étaient appuyés sur une législation américaine ultra-libérale, etc. Et parce que la nature a horreur du vide aussi. À un moment donné, quand il y a des business models en friche, on est ravis de pouvoir, pouvoir les prendre et les occuper. Absolument. Et alors, du coup, on voit bien les excès auxquels ça a pu donner lieu, les Cambridge Analytica, les scandales et tout ce qu'on veut. Et du coup, on a bien vu monter, la RGPD et autres, des demandes de régulation. Ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est, si on regarde ça un petit peu de près, Obama, quand l'Union européenne a commencé à dire on va s'amuser à essayer de voir comment on peut réguler, c'est un scandale, c'est du protectionnisme européen, c'est scandaleux, etc. On l'a fait quand même. Et aujourd'hui, vous avez des élus au Congrès américain qui disent on devrait s'inspirer de ce que font les Européens. Et donc quand même, là, même aux États-Unis... Les choses sont en train de quand même un peu de changer. Donc moi, ce qui me paraît une évidence, c'est que on va aller vers des formes de régulation, vers des formes d'aménagement par rapport à tout ce qui est apparu très clairement comme des excès. Et il y a des tas d'acteurs qui peuvent être étatiques, associatifs et autres, qui poussent à cela, et même des business. Hein, on voit des entreprises qui disent bah, « dans ces cas-là, moi, je ne mets plus de publicité ». Enfin bref, donc tous les acteurs de la société peuvent avoir aussi un rôle à jouer dans l'émergence de régulation dans un univers qui apparaissait totalement dérégulé. Et puis, pour terminer, par rapport aux algorithmes et éviter les discours les plus catastrophistes qui soient, si on fait de la futurologie à deux balles, hein, et on essaye, pourquoi ne pas imaginer que la défiance vis-à-vis des algorithmes, parce qu'ils sont venus par le haut et qu'ils sont effectivement des boîtes noires auxquelles on n'a pas accès et qui posent des tas de questions sur les choix qu'en fait on fait pour nous, pourquoi ne pas imaginer une démocratisation des bots qui est des sociétés de conseil d'algorithmiciens inventant le terme, je ne sais pas s'il existe, bref, et qui viennent faire un diagnostic chez vous et qui vous disent bah, tenez, on peut vous fabriquer vous programmez votre algorithme personnalisé, quels sont vos besoins, quelles sont vos pratiques et comment on peut vous aider avec un algorithme à faire des tris, peut-être à faire de la réponse automatique à vos mails, peut-être à vous aider dans les programmes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que une fois de plus, il n'y a pas de déterminisme et il n'y a pas de technologie qui serait foncièrement maligne, hein, à part peut-être la guillotine, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais, et la chaise électrique. Mais sinon, pour le reste, on peut peut-être faire aussi des choses positives. Et il me semble que la question, c'est celle des logiques d'appropriation et des deux points de vue, c'est-à-dire du point de vue des citoyens que nous sommes tous, des consommateurs que nous sommes tous, mais aussi du point de vue bah, précisément d'acteurs du monde des technologies et autres qui pourraient être amenés à percevoir une forme d'utilité sociale et donc un marché à ouvrir. Hein. Et par exemple, l'individualisation de l'usage des algorithmes paraît être peut-être un futur possible. Donc finalement, on vous avait invité à débat de l'homo numericus et on conclut par l'homo roboticus. Donc la boucle est bouclée ou presque. Rendez-vous dans 3 ans, effectivement, pour voir si nous quatre devrons nous couvrir de cendres. Merci en tout cas beaucoup à vous deux d'avoir ouvert un débat qui aurait pu durer la journée entière. Et avec plaisir, si votre agenda vous le permet, évidemment, de vous garder avec nous pour la suite de ce programme. Merci. Merci Bruno. Merci à...